salut YouTube! On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'artefacts sur Genshin. Aujourd'hui, on va peut-être se faire shaft. Aujourd'hui, nous allons farmer les nouveaux sets d'artefacts de cette mise à jour 3.6 que je trouve légèrement sympathique. On va essayer de farm pour améliorer nos personnages hydro. Peut-être futur personnage de Fontaine. Fontaine, c'est la région hydro. Et je veux surtout avoir quelques pièces de ce set pour ma très chère Nilou qui a besoin de pièces PV pourcentage. Je vais dépenser 1000 résines dans ce donjon aujourd'hui, en live sur Twitch. N'hésitez pas à passer sur Twitch de temps en temps. Et on verra bien si on arrive à avoir de bons artefacts. En tout cas, on espère ne pas se faire shaft. Je l'espère vraiment beaucoup. Mais vous savez ce qui ne va pas nous shaft? Eh bien, c'est le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Raid Shadow Legend. Raid fête déjà ses 4 ans cette année. Est-ce que vous vous rendez compte? Qu'est-ce que... Vous avez vu la taille de ce rat? Et moi, ça fait plus de 2 ans que je vous présente le jeu dans mes vidéos, et par curiosité, j'avais décidé de me remater ma première sponso, la première sponso que j'avais fait avec Raid Shadow Legend, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont changé depuis. Mais le passage qui m'a fait le plus marrer dans cette sponso que j'avais fait, c'était celle-ci, genre le petit... comme le même, là. Par contre, on va pas parler de ma barbe... Un jour, peut-être, j'irai chez le barbier. Peut-être grâce à cette sponsor, j'aurai de quoi aller chez le barbier d'ici la prochaine fois que je vous ferai une vidéo sur Raid Shadow Legend. Non, mais genre, regardez la gueule que je fais. Sinon, quoi de neuf sur Raid? Le jeu continue de s'agrandir et nous permet maintenant de faire du PVP en direct à l'arène. Vous pourrez donc affronter des joueurs en direct en choisissant et excluant des champions avant de vous affronter en duel pour voir qui est le guerrier ultime et obtenir d'incroyables récompenses comme de nouveaux ensembles d'artefacts, des fragments pour un champion du vide légendaire et plein d'autres bonus. Du coup, qu'est-ce que vous attendez pour tester le jeu? Vous pouvez télécharger celui-ci en utilisant mon lien qui est en description ou en utilisant le QR code qui se balade à l'écran pour obtenir des bonus. Parmi ces bonus, il y a un champion épique, Kellan Lapi, et plein d'autres objets utiles. Merci encore Raid pour la vidéo sponsorisée, et vous n'hésitez pas à venir sur Raid, mon pseudo là-bas c'est Alex Yuki, comme ici. N'hésitez pas à faire partie du raid avec moi, et maintenant on repasse à la vidéo. Bien du coup YouTube, on peut reprendre, on a dépensé 600 résines pour le moment, et j'ai beaucoup trop d'artefacts, donc il va falloir libérer de la place. On a eu quelques pièces qui sont largement tentables, pour une Nilou c'est vraiment super bien. On peut essayer de commencer avec le set hydro, bon là on a eu que du 4 étoiles, ça c'est largement tentable. On peut essayer d'avoir un taux critique à la fin, si on a du taux critique, ça peut être Prog. Là, on va mettre juste un petit arté et ça va nous donner un PV flat. Ah, j'ai pas envie de rester sur ça. Donc ça, non, on va jeter. Pour les sabliers, bon, j'ai eu que des trucs nazes, comme on peut s'y attendre. Par contre, j'ai eu des coupes. En vrai, bon, maîtrise, c'est peut-être pas le genre de truc que je monte. Bon, si, on va quand même monter. Enfin, les coupes maîtrise, c'est rare et on en a toujours besoin, surtout depuis la sortie des personnages d'Endro. Donc, on peut tenter de hop, et d'avoir attaque pourcentage, pourquoi pas. En vrai, avant de la continuer, j'aimerais bien faire la coupe hydro, pas hydro. Ah, si c'était une coupe hydro du set, chiche. Même si elle était moyenne, j'aurais tenté. Confirmé, parfait, PV. Oh. Les personnages cryo, ils ont pas tant besoin de taux critique, puisque généralement, avec la résonance, avec leur set d'artefacts, ils en ont pas plus besoin. Donc, on va jeter ça. Fait un petit peu le difficile, mais bon. On va tenter quelques procs, recharge, dégâts crit. Ça va être le plus important sur cette pièce. Quoique, bon, pour une pièce maîtrise, si tu mets de la maîtrise sur ta coupe, c'est généralement que tu builds ton perso full maîtrise. Pas tellement crit. Ouais, c'est de la def. Ah, on retente. Un dernier proc, si ça tombe pas sur recharge, on l'abandonne. Pauvre Ayaka. Comment ça, pauvre Ayaka? Calmez-vous, chat. Allez, niveau 12. Oh, dégâts crit. Ah non, ça me tente pas. On n'a pas eu de recharge. La recharge, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ici, on avait eu un bonus de sort. Bon, je le garde de côté. Je vais pas le up tout de suite. Ça ne m'est pas utile. Par contre, pour ce set, on a eu des pièces très intéressantes. Un bon diadème. On a eu quelques bonnes fleurs. Moi, il me faut juste 2 pièces pour Manilou. Tiens, on va faire cette coupe-là. Coupe Anemo. Essayer de faire un plus 4. Il me faut juste 2 bonnes pièces avec plein de PV, plein de PV plat, et éventuellement un petit peu de maîtrise élémentaire. Donc
on a un 16. Et on va monter des pièces. Taux critique, dégâts critiques quand même. Regardez tous ces sabliers. Là, PV flat, maîtrise, 4 stats de base. Je pense qu'on va monter ça pour Nilou. On a eu ça, je ne sais pas, ça n'a aucun sens. PV flat, maîtrise, 4 stats de base aussi. Ça peut se tenter pour Nilou. Ça peut se tenter pour une DIA. Peut-être tenter. On verra bien. On va déjà tenter ce sablier et essayer le proc 1 max. Alors, niveau 12. Allez, deux petites améliorations. Maîtrise, PV flat. Pour une fois que je demande PV flat. Oh, let's go. Oh, let's go. Oh, ça a fait les deux. Ça a fait les deux. En vrai, les PV flat, c'est hyper important si tu veux min-max à fond la Nilou. Genre, si j'ai 1000 de PV flat, ça ne me dérange absolument pas. Ah, c'est tombé sur taux crit. Ouais. Bon, on peut pas tout avoir, hein, malheureusement. On va remettre... Allez, on va remettre ça. Une petite amélioration supplémentaire. Et c'est de la maîtrise encore. Ok. Taux crit, on prend. C'est moins important sur une Nilou, mais... On prend tous les jours. C'est très bien. Allez, on continue. Un petit fois deux. Oh, le... Taux critique. Bon, je vais pas me plaindre. Honnêtement, on est tombé sur tout sauf la def. J'aurais peut-être aimé plus de maîtrise, plus de PV. C'est ça plus important sur une Nilou, mais honnêtement, c'est très bien. Actuellement, j'avais quoi sur elle? Recharge, maîtrise. Ouais, c'est une amélioration. Allez, hop, on remplace. Et on va monter cette pièce. Je vais monter les autres pièces plus tard quand on aura fini tout le farm. Comme ça, je pourrais être sûr de la pièce que je voudrais up pour Nilou. Puisque dès que j'aurai ma deuxième pièce pour Nilou, j'aurai pas besoin de monter les pièces PV, recharge, tout ça. Ce sera pas nécessaire. Donc, vas-y. On tente cette... Enfin, ce dilemme. J'allais dire cette fleur. C'est pas du tout une fleur. On va tenter ça. On va full all-in. Ça peut être une excellente pièce pour Madeya. C'est parti. Bon, on est tombé sur de la recharge. Si en 12, en 16, en 20, on a du dégât crit, c'est intéressant. De toute façon, il faut de la recharge pour Deya. Mais let's go. Ah, voilà, ça fait beaucoup de recharge. on continue. On va... Elle a besoin de beaucoup de recharge. Ok? Ok. Allez, c'est parti. Ouais, on n'a pas eu d'amélioration, je me disais. En vrai, si le full proc DC, après, il est POG. Ouais, vas-y, DC. PV flat. On continue. Qui sait, peut-être qu'un jour, il y a un perso... En vrai, c'est pas impossible. Honnêtement, c'est pas impossible. Mais qu'il y a un perso qui a vraiment juste envie de PV, qui se joue Favonius. Et quand tu joues une arme de Favonius, t'as besoin de taux critique pour proc le passif de cette arme. Et c'est généralement des personnages qui ont besoin de recharge. Donc moi, je prends tous les jours un artefact qui donne PV pourcentage en deux pièces, qui donne de la recharge, qui donne du taux critique. Donc on tente. Bon, par contre, on va faire le rat et on va juste placer trois artefacts et on va tenter de doubler. Ah, ça double pas. Deux artefacts et ça double? Un artefact et ça double? Oh, un dégât crit à la fin. Bon, vous savez quoi? Je suis pas déçu. Je suis pas énormément déçu. Il y a beaucoup de recharge. Comme je vous le dis, un personnage qui se joue Favonius qui a besoin de PV, c'est parfait. Pour une DA, ça peut lui donner la recharge dont elle a besoin. Ok. Ok, et là c'est bon YouTube. On a farmé... Enfin, on a dépensé nos 1000 résines. Et on a eu des trucs plutôt pas mal. Vous allez voir avec le set Hydro. On va déjà faire le set PV pourcentage pour la deuxième pièce de Nilou. Donc, il faut que ce soit autre chose qu'un sablier. On n'a pas eu de pièces PV ici, on n'a pas eu de pièces PV ici. Donc, ce sera soit la plume, soit la fleur. Quelle est la pire pièce de ma Nilou? What the... Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, il y a 16% de PV. Il faut que j'ai soit une fleur qui a plus de 16% de PV, soit 14% de PV+. Par exemple, là, on a PV et PV flat. Enfin, PV pourcentage, PV flat. Donc, ça me fait un petit peu de l'œil. PV pourcentage, recharge. Ah. En vrai, je tenterais bien cette plume. Si on a maîtrise à la fin, ce serait magnifique. Maîtrise à la fin. Ah, taux crit. Ah, ouais. Ouais. Bon, full all-in, PV flat. Oh, let's go. Oh, let's go, les potes. Le PV pourcentage est là. Ça commence bien. Honnêtement, si on peut avoir un 20% de PV, on se met gigaïen. Gigaïen. Boom. Yes. Yes, yes, yes. Ok, on continue. Road, tout 20% de PV pour Nilou. Il nous faut juste ça. Qu'est-ce qu'il y a, chat? Il est pas content. Il est pas content. Ou alors, il est en train de m'encourager, mais il est en train de miauler comme un fou. PV. Bon, c'est du PV flat. C'est du PV flat. C'est ok, on va dire. En plus, j'ai plus beaucoup d'artefacts 4 étoiles déjà. Mais bon, j'ai des plus 4. On met ça. Un petit x2? Non, encore. Oh, le x2 à la fin?
et on a encore eu PV flat. Bon, on a eu full proc PV, je vais pas me plaindre. Honnêtement, j'ai envie de dire que c'est pas mal. À l'heure actuelle, Manilou, elle a 70 000 PV. Ouh, chiche. Donc, il faudrait que je remplace ça. La nouvelle, elle est bien meilleure. Elle est tellement meilleure. Toc, toc. Et là, 74 000, les potes. 74 000, maintenant qu'on a le bonus. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Elle a son plein bonus. Elle est parfaite. À la limite, à un moment, je pourrais essayer de retrouver une fleur qui a beaucoup plus de PV. Ah bah, c'est vraiment la fleur qui a le plus de PV sur mon compte. Ok. Bon, maintenant, en fait, l'objectif, ce serait d'avoir un petit peu plus de maîtrise. J'ai 175, c'est correct. On verra bien, on verra bien. Mais bon, là, le farm pour Nilou, day one, est terminé. En même temps, c'est pas compliqué, hein, mais j'ai eu de la chance de tomber sur full PV. Maintenant, on va essayer de monter les artefacts pour une éventuelle Deia. On a quelques fleurs qu'on va tenter de mettre plus 4 pour essayer d'avoir une deuxième stat crit. Attaque flat, moi bof. Moi je ne garde pas ça. Ici, te crit maîtrise. Ok, let's go. Un petit dégât crit à la fin, x2. Non, je suis pas convaincu. S'il y avait 4 stats de base, j'aurais tenté, hein, mais là, non. Là, non. Là, Tocrit, attaque. On refait la même. On met un plus 4. Et on a death flat. On repassera dessus quand je serai désespéré. Ok, ok. Bon, maintenant, j'ai plus besoin de ça. Ça, on va garder. On va monter ça après. On verra bien ce que ça va donner. Ça, on garde de côté. Ah, on a un sablier attaque. Le sablier attaque, eh, tous les jours, on le met plus 4. On tente le taux critique à la fin. Oh, oh. Honnêtement, sur une DEA, ça va. Vas-y, on met ça. Un petit plus 7. Double ça, même. Ah. Ok, j'ai eu peur. Ouais. Attends, je vais t'en mettre un. Je mets juste une bouteille pour voir ce qu'on aura en plus 16. Si en plus 16, c'est pas du crit. Oh, c'est du crit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, super, je crois que mon chat est en train de voler. Let's go. Ah, ça, c'est parfait. Non, en fait, il a pas vomi, il jouait juste avec un truc. Allez, honnêtement, plus de 32 CV sur un sablier attaque pourcentage de ce set. De toute façon, des gars, il faut lui mettre soit recharge, soit attaque sur le sablier. Donc, tout est encore possible. Oula, par contre, ça fait peut-être un petit peu trop. On double. Oh, c'est si bon! Les potes, je vais vraiment avoir un bon stuff pour Deia. What? On a déjà le diadème et le sablier. Mais what? Ok. Ça, c'est si beau. Même en fait, même si on joue pas ce set, c'est une bonne pièce. De manière générale. Je mets ça en offset n'importe où. Ah, hein. Oh, c'est si bien. Oh, bon, ok. Je suis content aujourd'hui. Eh, vous savez quoi? On va faire la même avec ça. Alors, sur qui mettre cet artefact, je n'en sais rien. Mais j'ai envie de tenter, puisque la pièce, elle est marrante. Vas-y, on met... Voilà, plus 12. Full taux critique dégâts crit. Oh, chiche. On a eu un PV. Bon, on a eu 2 dégâts crit. On va refaire. Vas-y. Oh, le x2. Ah, PV encore. Bon, du coup, est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura un personnage qui va scale défense, PV, et qui voudra faire du... Qui voudra du taux critique dégâts crit? C'est quoi ce sablier? Il y a plus de 32 CV. Peut-être un G. Elle est si bizarre cette pièce. Bon, il y a 32 CV. En plus, le personnage sera tank puisqu'il y a du PV, il y a même de la recharge. Ok, bon, bah voilà. Et du coup, pour ce set, c'est bon. Eh, honnêtement, on s'est mis bien pour le set PV pourcentage. Bon, le set hydro, c'est pas encore ça. Il faut que je vous montre une pièce à un moment. Ça, je me suis dit, si on full proc taux crit, franchement, c'est bien. Regardez, hop, proc taux critique direct. Elle maîtrise. Allez, c'est le seul non-proc que j'accepte. Oui, voilà. Et regardez, on aura peut-être du taux critique à la fin ici. Let's go! Non. Bon, je vais partir du même principe pour cette pièce. 4 stats de base, si ça full dégâts crit, c'est excellent. Excellent. Je vais sacrifier ma fleur précédente. Flashback du Vietnam, c'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois. Attendez, on va retenter. On va retenter 2 pièces.
Encore maîtrise ? Je vais peut-être pas la jeter si ça full proc maîtrise à un moment, mais... Non, j'aime pas. Ouais, non, j'aime pas cette pièce. On a recharge d'énergie, là. Rendez-vous compte. Dégâts crit à la fin ? Dégâts crit à la fin et je le tente. Honnêtement, je le tente. Ah. PV flat. Non. Coupe. On a plus de coupe. On avait une coupe animaux là. On avait des coupes PV. C'est surtout ça. Regardez cette pièce magnifique. Taux critique, main stat, dégâts crit, recharge, maîtrise. 4 stats de base. Ça peut être une dinguerie. Une dinguerie. Pas possible. On va déjà la mettre niveau 11. On teste. On prend la température pour savoir si le shaft va être là. Honnêtement, un petit proc dégâts crit, un petit proc maîtrise, on prend tous les jours. Un petit proc dégâts crit supplémentaire. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Les potes, c'est du dégâts crit, ici aussi. Oh, ok, bon. Dégâts crit en dernier, là. Et honnêtement, ça nous met bien. Ça nous met giga bien. Un dans chaque. Oh non, pas un dans chaque. Ah, il y a eu deux taux crit. Deux dégâts crit, je veux dire. X2 ? Non. Un petit x2 ici ? Punaise. Oh, le x2 qui veut pas pop. Là ? Toujours pas. Ok. C'est la dernière pièce qu'on va mettre dans un artefact aujourd'hui, chat. La dernière pièce. C'est une dinguerie si on commence déjà ce farm de cette hydro avec un 30 de dégâts crit. Ce serait monstrueux. Je crois que ce serait ma plus belle pièce taux critique. Après, honnêtement, 22% c'est déjà bien. Si on tombe sur maîtrise ou recharge, pas trop grave. Ce sera toujours une win. Mais j'ai envie de grid et d'avoir du dégâts crit. Bon, c'est la maîtrise. Vous savez quoi? C'est pour un personnage hydro. Les personnages hydro, ils ont besoin de maîtrise. Ça va. Honnêtement, j'ai déjà vu pire. J'ai déjà vu pire en termes de diadème. Juste pour comparer. Hop, tout crit, dégâts crit. Regardez, chat! C'est ma deuxième meilleure pièce tout critique sur mon compte. La seule qui a fait plus, c'est 27,2. Sinon, c'était ça, 21. Et bah voilà. Et aujourd'hui, c'était une giga win. Et vous savez pourquoi c'était une giga win? C'est parce que cette vidéo était sponsorisée par Red Shadow Legend. Donc n'hésitez pas à aller checker la description de cette vidéo ou alors le commentaire épinglé pour tester Red Shadow Legend. Puisque c'est grâce à eux qu'on a eu autant de chance. Mais aussi Oli. Hein, Oli qui apparaissait de temps en temps. Du coup, merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié, j'espère que vous n'aurez pas été trop jaloux de ma chance. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo pour soutenir la chaîne, à vous abonner pour être au courant quand je ferai de nouvelles vidéos sur Genshin Impact sur celle-ci, et bien sûr, à me suivre sur Twitch pour assister à mes prochains lives, où on fait tous ces concepts. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye YouTube.